C'est long, c'est dur. Hein. Ah, je connais. Je suis content aujourd'hui. Oui, mais je vois ça. Des blagues, je Et Gaëtan aujourd'hui, PL. Mais, visiblement, de toute façon, plus personne ne regarde Naruto. Parce que maintenant, il y a Demon Slayer, t'as vu, c'est beaucoup plus beau, en fait. Oh, Demon Slayer, vous avez vu cette animation, comme c'est beau, hein, c'est mieux que tous les autres mangas du monde. Ah non, je peux pas. Twitter, franchement, calmez-vous. Les parents, s'il vous plaît, enlevez le compte Twitter de votre enfant s'il a 13 ans. C'est, vraiment, c'est... Ou alors vérifier ce qu'il écrit. C'est parce que ça fait du mal aux gens. Ah ouais. Non, c'est beau, hein, Demon Slayer. Nous, on n'est pas là... C'est très beau. On n'est pas là pour... Mais quand... Quand tu fais croire que Demon Slayer, c'est au-dessus de tous les animés du monde, parce que ça a une belle DA, nous, avec PL, voilà, on trigger fort. Ah, on fait passer un message ici. Surtout, les commentaires que je vois passer, genre, rhabillez-vous avec l'attaque des titans, parce que Demon Slayer, vraiment, grave au-dessus. Ouf. Donc c'est dur, hein, c'est dur de lire ça. Remballez vos Naruto. Ah, non, putain. Non, ben non. Laissez-nous les Naruto. Mais en fait, non, putain. À ceux qui regardent pas les mangas, là, ils savent pas trop. Ils ont pas Twitter, ils regardent pas les mangas, ils disent, oh là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Une combo, vraiment, c'est quand tu assembles deux cartes et au lieu que ça fasse des effets plus, pour moi, ça fait vraiment un truc démultiplié. Genre mana infini. Ok, donc combo, c'est une énorme synergie. PV infini. Ouais, c'est ça, c'est une synergie qui déborde. Ok, qui va tu beaucoup... verses de la synergie et quand on a foutu partout, bah, c'était une combo. Tu mets deux en fait. Cartes et tu te dis, bon, bah ça plus ça, ça doit faire ça. Et t'es là en mode, oh the fuck, ça fait ça. Tu vois. Il faut vraiment que t'aies cette réaction en mode, oh non, 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 comme ça. Allez, let's go. C'est parti. Oh Rook School, j'ai un stream cet après-midi du montage. C'est long pour rien, merci beaucoup. Allez, vas-y, deux points, je suis une petite score. Rook School, j'en peux plus. Il y a encore des gens dans les commentaires qui vont dire, oh Val, t'es sérieux là? T'es sérieux à te plaindre parce des gens qui sont longs? Parce qu'en stream, moi je te regarde et tu mets 100 dans la vie parce que tu parles de tes mangas là, des BZ, je sais pas quoi là. Et le mec en face, il attend aussi. Ouais. Est-ce qu'ils stream? Et oui, mais stream-t-il Rook School? Parce que s'ils stream, s'ils sont plusieurs, s'ils discutent, c'est une raison. Non, puis moi, je mets pas ce temps-là. Sauf cas exceptionnel, je mets pas ce temps-là. Attention sur les tours, hein, des fois, Val, c'est loin. Là, c'est à toi de dire suivant. Ah ouais, pardon. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là, Lopo? C'est toi. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, quand même? Pardon. Je commence déjà à être fou à 19h15, à 19h14. Je sais pas comment on va finir ce live. C'est la chaleur aussi. Hein. Ça va, il fait bon là. Enlève ce sweat là. Je vais enlever ce sweat, ouais. Mec, enlève le sweat là. Je voulais pas montrer mes bras. Parce que maintenant que tu grimpes. Attends, c'est que j'ai des bras énormes. Il y a du bibs. C'est pas vrai. Il y a du bibs. On voit rien. On voit rien. Mec, moi j'ai vu moi. Non, on voit rien. Tu m'as fait une matrice. T'as rien dit, t'as enlevé le sweat, j'ai fait. Oh, salaud quoi. Attends, 3 semaines d'escalade là, même pas une veine qui sort quoi. Il est gaulé. Putain, quoi. On s'est foutu de ma gueule. Moi je paye un abonnement à l'année là. Oh. Vous savez combien ça me coûte moi? Ah putain. Même suspendre là, alors que je déteste ça. Même pas une veine, sans déconner. Rien. Une petite. Putain. C'est mal payé. Non, c'est mal payé. Ah bah c'est super mal payé putain. Moi je pensais qu'en 3 semaines je devenais énorme. Moi Magic, j'en ai. Non, mais parce qu'on s'en fout de la game là. Regardez. Mais t'as pas besoin, regarde. Miaou. Miaou. Elle est bien. Et vraiment, elle est contente. Eh oui, elle est très heureuse. Allez, on repart sur la game. Bah, double urtikiste, hein, on y va. Ouais, ouais. Hein. C'est vrai qu'en fait, gérer ces trucs tant qu'il les a pas enchantés, on s'en fout, quoi. Ouais. Mais là, je les bloque, donc... Vraiment, je m'en cogne. C'est vrai, je m'en cogne aussi. Et à un moment donné, je vais mettre double urtikiste sur la forgeronne, je vais faire BAM. Et il va la tuer, on n'aura plus rien. Non, il peut pas. Excellent. Il tue pas. Ah, mais attends, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je vis? Que vis-je, Val? Que vis-je? Mais ok. Ok. Je t'ai dit que l'historique c'était complexe en ce moment. Très complexe. Ah, ouais, non, mais là c'est très complexe. Là. Je te dis, un coup sur coup, l'autre fois, 250e mythique, je rencontre un joueur à 240 cartes en bibliothèque. Quelle n'était pas ma surprise, ma Parce stupeur que face à cette... Là, il se dit, mais il a que ça dans le deck? Et moi, je lui dis, oui, je n'ai que ça. Tu peux pêcher autre chose qu'un land, par contre, s'il te plaît? Je vais essayer. J'ai pas réussi. It was a blague. Bon, c'est pas grave. It is a blague. Question Val. Oui. Est-ce que tu pourrais faire un 4 quarts? Ouais. Mais dans les ingrédients, il y en a un que tu mets pas dans le bon nombre.
Donc ce qui fait que le 4 quarts Tu fais sera un moins bon. 3,8 quart, quoi. Voilà, soit moins bon, et il sera moins bon, tu vois. Mais il sera quand même réussi. Tu vois, Ouais. par exemple, t'enlèves un œuf, ça Ok. marche. Ah, quel est l'ingrédient que tu as le droit d'enlever? Et non, mais peu importe. Ok. Et quand les gens te disent c'est un 4 quarts, tu dis non. Pas du tout. Et ils te disent mais c'est un 4 quarts là. Tu dis Mais non, non, c'est pas un 4 quarts. c'est moi qui l'ai fait, je sais que c'est pas un 4 quarts. Dis-moi la recette du 4 quarts. Il te l'a dit, tu fais eh ben Eh ben non, non. c'est pas ça. Et tu deviens vraiment une J'ai mis que personne 3 œufs. très conne, vraiment insupportable. Je veux savoir si on peut le faire. Ah Moi, putain. c'est tout. J'ai dit, je fais tous les bruits de créature. Ok. J'ai hâte d'entendre le bruit de Vélomacus. Hein. Et J'adore. il ressemble vachement. Hein. J'adore cette vidéo. Préfère casser le magma au plus, beaucoup plus Bah drôle. oui. Comment on fait quand on le casse? C'est ça. Excellent. C'est vraiment toute personne qui casse un magma opus le sait. Vous avez forcément ce rire automatique qui sort. Est-ce que c'est C'est possible de rester obligatoire. stoïque? Bah vas-y, c'est encore une 3-3 initiative. C'est possible de rester stoïque face à quelqu'un qui, quand il joue à Magic, rigole comme ça en te faisant un gros spell genre. Pense-t-on? Je pense que j'ai beau être extrêmement calme à une table, je Si crois que je dis, oh vas-y, ferme-la. je suis en train de te démolir, c'est très Je suis. gênant. Je l'accepterai seulement dans un cas, le Je crois corner qu'il faut que case. ça sorte, et même lui me dirait, c'est normal. Non, non, vraiment, moi je n'accepterai ça de la part de mon adversaire, c'est-à-dire qu'il me rit au nez de manière très désagréable pendant qu'il me bourre, seulement si c'est avec un magma opus. Ok. La carte top Genre, 3. s'il rigole avant, tu commences à dire, oh putain, et il joue Magma OP, tu fais, ah ça Ah, ça va. J'étais en train de déclencher. va. Ouais. J'avais monté la main, elle allait retomber tout de suite. Mais c'est bon. Tu pouvais attendre un tour, on était Non, pressé. non, non, non. À un tour près, on meurt là. Tu crois que là, contre Nayarune, on va tenir un Mais tour de bien sûr, plus? il interagit pas. Et il interagit avec nos points de vie. Non, non, mais on la perd celle-là. On gagne du temps, Val, on gagne du En temps. vrai, tu sais pas. Non, là, t'as trop d'espoir, on Non, dirait moi. je te promets, tu sais pas. Je te promets, tu sais pas. Genre vraiment, Si t'avais la souris, tu l'aurais concédé 100%. ça ne transmet J'écoute pas. plus, Val. Ça ne transparaît pas dans cette vidéo, mais le deck est meilleur que Je ça. vous montre une guivre. Voilà. Ah, putain. Si vous me dites ce qu'elle fait, vous gagnez la guivre. Je me souviens pourquoi je jungle plus. Hein. Mais c'est de la merde. Depuis des années. Si là j'équipe et qu'il n'a pas de gestion, je gagne. Il gagne 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça devient une 5-7. Donc ça trade sans mourir. Ça Bon, bah trade, vas-y pardon. alors. Ouais, ok. Allez, top deck pas terrasseur de gemmes, une mutation, un truc, s'il te plaît. Oh putain. C'est trop, c'est trop, c'est trop PL, c'est trop. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, faut que ça cesse. Oh, j'ai l'impression de revivre Celestia, c'est trop. Mec, c'est trop. Là, je me pose une réelle question, Val. Est-ce qu'on en refait une? Oh putain, regarde, on dirait que j'ai des oreilles dans le retour. Quoi? Au-dessus de moi! C'est quoi les oreilles? Bah, je sais pas, on dirait que j'ai. Comme si j'étais un personnage de Disney, quoi. Voyez pas? Qu'est-ce qui lui prend? Tu vois pas? Au-dessus de moi, le bouclier et le. Non? Ah ça, ok. Oui? Ah oui, ouais, On d'accord. dirait que je suis Mickey, Moi quoi. je croyais que c'était tes bras. Tu dis regarde, j'ai des grandes oreilles. Val, le niveau de blague en Oui. 2022, ça va pas du tout, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, PL, c'est Si. marrant, hein. Je vole! Hein. Il me fait penser à l'élémental blanc. Oh putain, celui dont tout le monde en a rien à foutre. Ah oui, lui-même. Ah d'accord. Hors phase, il nous grignote un truc. Bah tiens, Incroyable. jette ta main. Ah ouais, vas-y. Oh, si. Bah tiens, poubelle. Ah, ça t'apprendra, Et je lui ça. dis enculé. Non, ça, c'est méchant, Val. Parce que, voilà, Mec, tu vois, trop. tu as vexé les Mec, parties. trop vénère, quoi. Ah ouais, Mais bah j'imagine tiens. la situation en papier et c'est ultra drôle. Oh. Alors, très désagréable, mais Faites pas ça, c'est tu pas vois un vrai. mec dire, ah ouais? Tu mets ma 3-2 hors phase, tiens, je défausse 2. Tiens. Putain. J'ai l'impression qu'on est rentré dans les couloirs du temps et qu'on vit Mais. un revival des anciens decks. Mais on est où là? Et qu'on va se Mec, c'est prendre quelques tribal 2-2 réclamations. Doomit. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Mais qu'est-ce qui se Il fait passe? quoi? Je ne comprends pas. Marquez pas ça. Et il les buff avec quoi à ton avis? Essaye de deviner avec quoi il les buff.
Le bon continue, play, si tu veux. C'est d'attaquer qu'avec deux. Mais moi, j'attaque avec tout parce que s'il y a aménagement des décombres, je quitte YouTube. J'arrête perdre, YouTube. Oh putain. Non, c'était pas possible, quoi. Eh ben, c'est bien. Oh, les bruits. C'est quand même plus sympa, les vidéos en standard, quand même. Oh, ça me fait du bien d'entendre ça, là. On est mort. C'est pas aménagement des décombres, mais c'est pire, je crois. Oh putain. Non, PL, reviens, c'était une blague. Donc on en chie un peu, mais let's go. Let's go. T'as lancé en classé? Non, t'as lancé en non classé encore. Tu peux annuler? J'ai lancé en classé. Mec. J'ai lancé en classé. Ben, je crois pas. J'ai vu non classé, moi. Je suis sûr de moi. C'est vrai? C'est une classée. Ok, j'espère. Daijobu. Daijobu, ça veut dire quoi? Ça va aller? Ça veut dire Daijobu. Non, ça veut dire ça va aller ou un truc comme ça. Je sais pas, j'espère. Non, ouf. Ça veut dire quoi Daijobu? Ça va aller ou alors je t'aime? Ouais, c'est pas une classée. Un des deux. Tout va bien, merci Adibou. Putain, c'est pas une classée! J'étais sûr pour toi. Je t'ai dit que tout allait pas aller. Mais j'étais sûr. J'ai vu que t'étais sûr. J'ai dit Daijobu. Il a dit Daijobu. Il a dit Daijobu.